Et ça, c'est le remblai de l'année dernière, ça. Regarde comme il a foutu le camp, regarde. Ça tient pas. Sans parler du futur, le présent est déjà assez éloquent pour ces deux scientifiques. Ici, le littoral de la commune de Santa Maria Poggio a perdu 120 mètres en 50 ans. Malgré des enrochements récents, la mer continue de grignoter le maquis, déracinant les chênes et les pins maritimes. Ça touche personnellement, hein. C'est une forme d'émotion parce que, ayant vécu ici, j'allais dire dans les années 70, pour ne pas se vieillir, où on jouait ici sur une grande dune de plage, ça touche particulièrement puisque c'est quand même le temps d'une vie humaine. Hein. C'est relativement restreint, hein. Donc c'est des échelons qui sont très restreints et avec des contrastes dus au changement climatique qui sont de plus en plus prégnants. Ce phénomène concerne l'ensemble de la plaine orientale. Sur ces images satellites, on peut constater la disparition progressive des plages depuis 1950. Selon deux revues scientifiques internationales, la montée du niveau moyen mondial des mers pourrait atteindre 1 mètre d'ici 30 ans. Les pouvoirs publics doivent aussi prendre conscience de ça. 1 mètre, on n'atterrit plus à Ajaccio, on n'atterrit plus à Bastia. Imaginez les deux aéroports principaux de l'île privés d'avions. C'est impensable. Plusieurs tronçons de route seraient également coupés, comme en Balagne. De même, l'urbanisation sur le littoral est à revoir complètement. Sur le problème littoral, c'est le repli stratégique. Il n'y a pas d'autre solution. C'est aujourd'hui interdire dans les côtes sableuses de construire dans les 300 mètres. Tout le monde aujourd'hui crie sur la bande des 100 mètres. Moi, je dis que ça ne suffit pas 100 mètres, c'est 300 mètres. Et ce n'est pas de la politique fiction, la preuve. Cette vieille photo prise sur cette plage il y a 40 ans montre bien que la mer monte inexorablement.